Thomas, alors on se voit après avoir rencontré Louis qui nous a expliqué l'évolution d'Ethics, la stratégie. Et là, on est là pour parler d'une actualité qui est beaucoup plus franco-française, entre guillemets, même si on sait qu'elle va avoir des ramifications au niveau européen, qui est, eh ben, je te laisse le dire et le rappeler. Ouais, l'acquisition d'Hostelion, je pense, à laquelle tu fais référence, effectivement, qui s'est conclue au mois de juillet de cette année. On est ravis d'avoir pu du coup conclure ce projet. Ça faisait un moment qu'on y réfléchissait. Et qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie dont on t'avait pu parler d'ailleurs avec Louis, qui est cette stratégie de maillage territorial et d'offres multisites finalement, pour pouvoir, comme le disait bien Louis d'ailleurs, apporter le service là où le client en a besoin. Et donc avec cet aspect de proximité avec les clients, mais également avec leurs besoins. Et pouvoir continuer finalement cette mission qu'on s'est donnée il y a déjà quelques années, et qui était finalement de pouvoir apporter cette qualité de service qu'on retrouvait dans les grandes capitales, pouvoir l'apporter également dans les capitales régionales, finalement. Et c'est assez marrant, je pense qu'il y a un an de ça, À peu près un an, oui. tu m'avais interviewé, et puis tu avais parlé du Sud-Est. Oui. On n'avait pas forcément révélé nos intentions à ce moment-là, mais... Non, mais tu avais évoqué la région lyonnaise, Voilà. voilà cette région avec une certaine logique finalement. Alors, pourquoi Ostélio? C'est une bonne question. En fait, donc la région lyonnaise, on la regardait déjà à l'époque et on l'avait déjà en tête. Donc, on a réalisé finalement ce qu'on avait décidé de faire à ce moment-là. Lyon aujourd'hui est une ville qui est, comme tu le sais, sur l'axe Lille-Paris-Marseille. Puis on peut remonter Bruxelles-Amsterdam. Donc, il y a un axe vraiment stratégique au niveau des data et donc des data centers forcément. Et donc, ça avait beaucoup de sens pour nous de nous installer dans cette ville. Et en plus de ça, finalement, à la croisée des chemins, en tout cas, un peu une ville centrale en Europe. Et c'est assez intéressant puisque c'est ce qu'on avait fait en 2017 avec Lille, à l'époque où Louis avait ouvert ce data center, avait beaucoup travaillé pour et poussé les investisseurs de l'époque pour pouvoir ouvrir ce data center, parce qu'on croyait beaucoup, encore une fois, à ce concept de carrefour de données. Et donc Lille représentait bien cet aspect-là, et on reproduit aujourd'hui l'expérience avec Lyon finalement. Et donc, comment arriver à Lyon? Donc Hostelion, pourquoi Hostelion? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce qui fait notre force sur les différentes régions dans lesquelles nous sommes implantés, c'est cette capacité à proposer une plateforme d'interconnexion, une plateforme d'échange au sein de laquelle on a un réel écosystème qui s'est développé. Hostelion, aujourd'hui, c'est un des deux principaux POP télécom de la métropole lyonnaise. Et donc, quelle meilleure entrée finalement sur ce marché que par justement arriver à mettre la main sur ce POP télécom? Et donc, comme tu l'as compris, ce n'est qu'un premier pas. Tout à fait. On va revenir quand même sur ce premier pas. C'est je dirais, la deuxième acquisition la plus remarquable après celle de CIV. Je parle de l'acquisition récente. Il y en a eu d'autres, hein, on va le rappeler. Hein. Ici, on est à Vélizy. Il y a eu Donc, Zicolo, effectivement. oui, donc on est déjà dans un environnement qui était existant. Mais CIV, on était sur je dirais, une progression technologique qui est quand même assez forte en termes d'efficacité, de durabilité. Hostelio, on est plutôt sur la partie télécom et échange, hub, avec également une vision vers la Suisse et l'Allemagne. Donc là, on est sur des acquisitions qui sont encore plus stratégiques. Ouais, effectivement, tu as tout à fait raison. On a aujourd'hui une vraie stratégie établie lorsque l'on va réaliser une acquisition. Et il faut qu'en fait ces acquisitions répondent à certains critères, notamment de qualité de service, qualité d'infrastructure, et encore une fois cet aspect plateforme d'interconnexion et d'échange. Comme je le disais, finalement c'est un premier pas. On a ouvert la porte, on a mis le pied dans la porte à Lyon finalement avec l'acquisition d'Hostelion. L'idée c'est de pouvoir constituer un campus, développer un campus sur la métropole avec la construction d'un nouveau data center, celui-ci from scratch en greenfield. Alors greenfield ou sur un bâtiment existant, puisque évidemment l'aspect RSE et empreinte carbone et artificialisation des sols va être très très importante dans ce projet. Mais l'idée c'est de pouvoir vraiment développer ce campus avec un data center d'une capacité bien plus importante, de l'ordre de 2 mégawatts autour de cette capacité-là. On va encore préciser ça dans les 18 à 24 mois qui viennent. Et finalement, Hostelion, avec cette richesse télécom, nous permettra de réellement travailler en mode campus
avec l'arrivée télécom finalement de ce campus que représente Hostelion et la capacité à développer des infrastructures robustes, durables et extensibles, flexibles pour nos futurs clients. Et avec l'intégration de nouvelles technologies, on parle peut-être d'IA, de choses comme ça, qui ne sont pas encore présentes sur sur vos data centers, parce ouais. qu'il y a un bond aussi technologique là-dessus. Ouais, c'est une excellente question. C'est vrai que depuis maintenant un an, dans tous nos designs, notre direction technique intègre la possibilité de pouvoir se piquer sur l'infrastructure pour pouvoir faire du liquid cooling, de l'immersive cooling. C'est prévu dans le prochain data center que l'on est en train de construire d'ailleurs à Lille et qui sortira au troisième trimestre de l'année prochaine, 2025. Ce sera également prévu dans ce projet, ce ETX Lyon 2, comme on va l'appeler, qui nous permettra de travailler sur des densités classiques puisqu'il y a un marché existant et que le marché corporate, même les ESN, etc. vont travailler sur des densités que l'on connaît, hein, de l'ordre de 3, 8, 10 kVA. Et nous permettra également de monter à des densités bien plus importantes pour répondre aux besoins de l'IA ou du HPC, en l'occurrence. Ok. Et sur la durabilité, vous travaillez aussi sur cette thématique. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a... ce qui fait partie d'ailleurs, parce qu'on parle là de croissance externe avec des acquisitions, mais également en interne, où vous développez vos infrastructures en place. Bien sûr, bien sûr. C'est une excellente question. C'est vrai qu'on a aujourd'hui un mix. On a beaucoup communiqué sur nos croissances externes. On fait également beaucoup de croissance organique. C'est d'ailleurs mon job. C'est pour ça que Louis insiste et que nos investisseurs aussi insistent au quotidien, puisque une société qui est robuste, c'est aussi une société qui fait de la croissance organique. Aujourd'hui, on l'a fait. Et en réalité, la stratégie, c'est on va aller plus vite, on va accélérer en faisant des acquisitions. Et ça va nous permettre de pénétrer de nouvelles régions, comme la région lyonnaise, par exemple. Et ensuite, on va solidifier ces infrastructures avec de la croissance organique et construire de nouveaux data centers, remplir ce que l'on a acquis, mais également construire de nouveaux data centers et les remplir pour pouvoir continuer à développer de manière pérenne ce business. Et donc c'est bien ce qu'on compte faire effectivement sur Lyon. Et pour ce qui est de la partie durable dont tu parlais, qui est très importante, effectivement c'est beaucoup plus dur de le faire sur un bâtiment existant que sur du greenfield. En réalité, même quand on rachète un site, on va faire en sorte d'en améliorer le PUE. On l'a fait sur pas mal de sites, notamment sur le site sur lequel on se trouve ici, ETX Paris 3, en changeant des machines, en modifiant l'architecture technique, en rénovant des parties de ces architectures. On arrive à gagner quelques points de PUE qui sont vraiment très précieux au moment où on fait les comptes finalement de l'empreinte carbone. Et sur les nouveaux data centers, on va insister sur également les technologies qu'on met en place, mais également l'approvisionnement de notre énergie, aller chercher de l'énergie verte, et surtout la partie aval du cycle sur laquelle on a déjà travaillé, on a déjà mis ça en place, la revalorisation de chaleur fatale. On chauffe nos bureaux à Nantes, dans l'un de nos data centers. On est en train d'aménager notre nouveau siège nantais sur Carquefou avec justement l'étude de cette revalorisation de chaleur fatale pour chauffer nos propres bureaux. Et à Lille, sur l'un de nos data centers, on chauffe d'ores et déjà le centre des conférences sur lequel on aura l'occasion de se retrouver pour un événement d'ici la fin de l'année. Voilà. Ce sera intéressant. C'est un teaser. On l'annonce déjà aux gens qui vont nous suivre. Rendez-vous à Lille en fin d'année. Donc, tout à fait. Donc, mais ce sera un sacré rendez-vous. Ouais, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu et sur la partie architecture et sur la partie PUE et ce qu'on va pouvoir optimiser dans nos sites, mais également en amont, comme je le disais. Et aujourd'hui, sur les sites sur lesquels on se développe, on va essayer de privilégier des bâtiments existants qui vont nous permettre, d'une part, de gagner du temps, mais surtout d'éviter d'artificialiser les sols et de pouvoir réutiliser des infrastructures existantes, des bâtiments existants en tout cas. Aujourd'hui, pour résumer, vous êtes sur l'Ouest, le Nord, la région parisienne, exactement. Lyon. Bon, on sait qu'il va y avoir d'autres développements. Mmh. Vous êtes en Toulouse, en Belgique Montpellier aussi également. Aujourd'hui. Non, mais faut pas le dire tout de suite parce qu'on anticipe là. Mais on peut le dire. Montpellier, on y est déjà. Ah oui, Montpellier, c'est vrai. Ah ouais. Oui. Toulouse et Montpellier, exactement. Enfin, c'était une acquisition également. C'est ça. Oui. Ouest, Nord, Paris, Toulouse, Montpellier et Lyon. Dernier arrivé. Alors, il manque encore quelques. Derrière, on va parler un peu des clients. Bien sûr. Ça crée une grande diversité. Mmh. Quels sont, les points forts d'ETX pour répondre aux attentes de vos clients? C'est une très bonne question. Je pense que on a appris au fur et à mesure de notre développement, depuis maintenant 11 ans que l'on existe, à travailler avec les différents clients, avec un enjeu, je pense, qui est
extrêmement important, qui est fondamental dans notre métier, c'est la proximité avec les clients et bien comprendre leurs besoins. On est né en région, aujourd'hui on est également présent à Paris, on est présent dans l'ensemble de la France, on est un des acteurs majeurs du secteur, même s'il y en a d'autres qui sont bien évidemment plus gros que nous. Mais en naissant en région, on a vraiment eu cette fibre et travaillé cette fibre de la proximité client, qui est très très importante, notamment en région, un peu plus qu'à Paris, où les clients sont beaucoup plus gros, beaucoup plus habitués à des structures plus importantes. Et on essaye vraiment de développer et de faire perdurer cette fibre de la proximité. Et partant de là, c'est apprendre finalement les enjeux de nos différents clients. Nos différents clients, c'est évidemment les ESN, les opérateurs télécoms, mais également des entreprises de l'industrie, du secteur bancaire, du secteur des assurances, tout type de secteur. Et aujourd'hui, on a un petit peu plus de 500 clients, 550 clients de tout secteur qui nous permettent justement de bien comprendre l'ensemble de leurs enjeux et d'y répondre lorsque c'est nécessaire. Ok. Alors, peut-être pour terminer notre entretien, qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait rêver aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, on est des pionniers dans ce qu'on fait. Si on regarde un petit peu le marché, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, de très belles choses qui ont été faites. Mais aujourd'hui, une offre de colocation uniforme, multi-site, répartie sur l'ensemble du territoire français, ça n'existe pas. On n'en parlait pas plus tard que ce midi avec les équipes. Et on leur disait, on est des pionniers dans ce qu'on fait. On est des pionniers dans ce qu'on fait à l'extérieur, dans le développement commercial, le développement de la société, aller répondre aux besoins de nos clients en région et puis de manière globale sur l'offre multi-site, mais à l'intérieur également. On est en train de construire et de mettre en place et de solidifier, de consolider tous ces process qui fonctionnent bien. On est en train d'apprendre également à finalement à avoir une certaine émulation et à s'améliorer chaque jour en apprenant de chacune des régions. Ce sont des défis quotidiens. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui m'anime parce qu'on le fait avec des équipes qui sont passionnées et très engagées. On a la chance, on a cette chance, on essaie de le cultiver au maximum, mais elles sont très engagées et avec une équipe dirigeante qui est également passionnée et très engagée. Donc c'est ça aujourd'hui qui me passionne, on essaie d'aller défricher ce terrain-là. Ok. Merci. Merci à toi Yves.